Je suis le colonel Kraft de l'armée humaine planétaire. Je vis les 6 pires mois de toute ma vie. À cause de mes faits d'armes, on m'a muté à bord du premier vaisseau humain, l'Hope of Humanity. Sa mission, trouver une forme de vie alien pour nous sauver de notre soleil en train de s'emballer. Malheureusement pour nous, on n'a pas rencontré que des gentils. Pour commencer, les Balitor, les ciments toute race n'ayant pas leur religion. Mais on a fini par trouver une solution à notre problème de soleil. Une planète laissée à l'abandon, où sur l'un des ordinateurs, nous avons trouvé un document écrit en français, nous expliquant comment rétablir le soleil avec une bombe. Ça a dû se jouer serré pour la faire exploser. J'ai pris des risques, m'approchant de très très près du soleil pour la larguer. J'ai réussi, le soleil est sauvé, l'humanité aussi. Mais j'ai été propulsé dans un autre univers. Un univers vivant, où j'ai été torturé. Chose marrante, c'est la personne en qui j'élevais le moins d'estime, Alexandre de la Cour de la Fontaine, qui est venu me chercher avec mon équipage. Mais là-bas, ces aliens m'ont fait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ils sont à nos portes, et vont nous attaquer pour accroître leur territoire. La Générale Vought ne compte rien faire à temps. Je dois gagner du temps, y retourner, pour laisser une chance à Maurice et Alex de terminer leur bombe qui clôturera le Vortex. Voilà, et remplissez au maximum le réservoir de plutonium. Ah, lieutenant, on avance très bien, on va pouvoir partir plus tôt que l'air prévu. On a un problème. Kraft a pris un chasseur. Il est parti à travers le Vortex. Quoi? Mais pourquoi? Il voulait gagner du temps. Zat est avec Vought. Elle ne veut pas envoyer plus que les 3 vaisseaux prévus. Trouve Maurice Delu de superviser les finitions ici. Je vais voir Vought. Non, 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 je suis attiré, les enfoirés de fils de pute! Tu reviens maintenant.
êtes revenu, c'est une surprise. Vous m'avez fait quoi? Pourquoi j'ai si mal? Votre espèce est tout à fait fascinante. Avez-vous communiqué les informations que je vous ai données à votre monde? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous croyez vraiment qu'on vous a laissé vous enfuir sans raison? Vous m'avez tendu un piège. Aucun, mais grâce à vous, nous prendrons bientôt contrôle de votre galaxie avec beaucoup moins d'efforts. Notre armée se mobilise. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Ce ne sera que plus facile de tous les détruire en même temps. Et moi, je deviens quoi dans votre super plan? Vous, vous regarderez, mon cher Kraft. Vous allez voir un spectacle unique. La fin de votre monde. La mort de vos amis. Et ensuite, avec le temps, votre corps accueillera mon digne remplaçant. Nous allons enfin pouvoir y aller. Notre flotte est au complet. Je ne vous laisserai pas faire! Vous êtes prévisible malgré votre force. Intéressant. Il semblerait que vos amis soient venus vous chercher. Trois vaisseaux. Non, c'est pas possible. C'est bizarre. Pourquoi ils ne ripostent pas? Je crois qu'ils ont besoin de l'ordre de leur chef. S'ils ne l'ont pas, ils ne bougeront pas. Et pourquoi leur chef ne donne pas l'ordre? Kraft l'en empêche. Ils gagnent du temps. À tous les appareils, détruisez-moi ces virus! Qu'est-ce que c'est que ces aliens? Ils font n'importe quoi! Je sais pas, mais je suis sûr que Kraft y est pour quelque chose. Je détecte quelque chose. C'est un chasseur. C'est Kraft! J'y vais! Dites au vaisseau de retraverser le plus rapidement le vortex! Partez! Je sais ce que je dois faire. Bonne chance, Doc. Non, allez à sa rencontre. Ici Zat. Je suis le dernier à passer. On se retrouve de l'autre côté. Terminé. Maurice, vas-y, je dirige le vaisseau. Faut qu'on soit synchro. Lâche la première bombe à mon signal.
Ma poitrine me brûle. Il faut faire vite. Un nouveau leader va être créé. On pourra pas survivre longtemps ici. Maurice, première bombe. Envoyé. Prépare la seconde bombe. Encore quelques secondes. Maintenant. Je lance la détonation des deux bombes dans 3, 2, 1, détonation. Non ! Ça n'a pas marché, le vortex est toujours là ! Alex, tu devrais regarder le radar. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Alex, le radar, il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas revenu chez nous.